Je suis béninoise. On se trouve en ce moment dans mon atelier aux Beaux-Arts de Paris. Ma pratique artistique, je dirais qu'elle prend racine dans une construction narrative qui est nourrie par tout ce que j'absorbe. Mon quotidien, des histoires personnelles, intimes, par tout ce que j'observe, je lis, par les gens que je regarde, par la vie aussi. Je suis tout le temps à la recherche de vérité, d'amour, de répondre à des interrogations. Je me nourris beaucoup dans mon travail de la Renaissance italienne. J'aime beaucoup, beaucoup Mantegna, par exemple, ce qui peignait le Christ. On a vraiment l'impression de vivre cette passion du Christ. J'ai grandi dans une certaine forme de pudeur, de mon éducation, où il ne fallait pas trop dire les choses, il ne fallait pas être trop émotif, trop ressentir les choses. Je pense que mon art me permet de sortir de cette pudeur et de m'ouvrir un peu plus, et de m'exprimer surtout. C'est différent de la montrer au public comme ça dans la vraie vie. Parfois même je peins des choses que je n'arrive pas à dire ou à montrer.